L'Institut national de la statistique du Mali collabore depuis plusieurs années avec Paris 21, notamment dans le cadre de la diffusion des différents schémas de tête de la statistique, l'évaluation de ces schémas de tête de la statistique. Et dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de tête de la statistique deuxième génération, le Mali avait prévu la lecture des textes qui régissent le système statistique national. Et au cours de cette lecture, nous avons pu inscrire dans les textes le Fonds national de développement de la statistique conformément à la Charte africaine de la statistique. Donc, ce qui nous a permis, en contact avec le ministère en charge des finances et la primature, de pouvoir disposer d'un fonds national de développement de la statistique qui est abondé à hauteur de 2,9 milliards de nos francs CFA par an. Et ce fonds est destiné à financer les grosses opérations, la formation des statisticiens, mais aussi la coordination du système statistique national. Donc, dans le futur, nous comptons beaucoup sur Paris 21 pour non seulement diffuser davantage les résultats de nos travaux, surtout que l'évaluation du chemin de terre a montré que l'axe 4 qui concerne la diffusion et la promotion de l'utilisation des statistiques n'a pas été mis en œuvre de façon satisfaisante. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir non seulement avoir un noyau dur de journalistes capables de relayer les résultats de nos travaux, mais aussi communiquer davantage pour accroître la culture statistique au sein de la population malienne. Je vous remercie.